Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 avril. Let me start with the information about the president's calendar for next week, as usual, on Fridays. On Tuesday, President von der Leyen will chair the steering board of the Recovery and Resilience Task Force. On Wednesday, she will chair the college meeting as usual, as well as the college orientation debate on the Fit for 55 initiatives, which will take place on Thursday morning. Later on Thursday, she will participate in the Leaders Summit on Climate, hosted by US President Joe Biden via video conference. And finally, on Friday, President von der Leyen will meet Guy Parmelin, the president of the Swiss Confederation. She will also visit Pfizer Manufacturing Belgium in Pourse on that day. And later still on Friday, she will receive Viktor Orban, the prime minister of Hungary. Puis permettez-moi encore de vous rappeler que le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et le commissaire Paolo Gentiloni représentent la commission à la vidéoconférence de l'Eurogroupe aujourd'hui, qui a déjà commencé ce matin. Les ministres discutent des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, de l'Union bancaire, de l'euro numérique et des cadres en matière d'insolvabilité. Le commissaire Gentiloni participera à la conférence de presse qui suivra la réunion vers 14h. Ensuite, les vice-présidents exécutifs Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, ainsi que les commissaires Johannes Hahn, Paolo Gentiloni et Mairead McGuinness participeront à la vidéoconférence des ministres de l'économie et des finances qui aura lieu plus tard dans la journée. Le débat portera sur les perspectives économiques, sur la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience, sur le financement de Next Generation EU et sur l'union des marchés des capitaux. Le vice-président Dombrovskis participera à la conférence de presse ce soir. Je vous invite donc, comme d'habitude, à réserver vos éventuelles questions sur les affaires économiques et financières à ces conférences de presse. Et avec ceci, nous sommes prêts à passer à vos questions et je passe tout de suite la parole à Athanasios. Thanks very much, Eric. Bonjour. I would like to know what you make out of the Vendias, the Greek Foreign Affairs Minister, visit to Turkey and his exchange with his Turkish counterpart and the comments that were made publicly yesterday. Are we closer to a solution, to de-escalation after those statements, or are we the other way around? And could you also please position the Commission on the specifics of the one side and the other, if you can do that? Thanks. Thank you. Peter. Thank you. Good afternoon. And I can only repeat what we have been saying all along when it comes to the relations between Turkey and the European Union and Turkey and member states of the European Union and their bilateral relations. This is all part of our current efforts to advance in order to reestablish the constructive cooperation and dialogue between EU and Turkey and between Turkey and individual member states. So this is what we are engaged in, exactly in line with the statement from the last meeting of the European leaders in March. And this is something that will be then re-evaluated and followed up also during the joint European Council. So this is what I can say on the issue in general at this moment. Thank you very much. So this opens our foreign affairs chapter. Are there any other questions on the EU-Turkey relationship for Peter today? Christian. Oui, bonjour, bonjour Peter. En fait, je voudrais savoir comment Monsieur Borrell appréhende les prises de position qui sont formulées, qui sont assez dures. Je pense au Parlement européen, qui estime que le moment n'est absolument pas venu de parler d'union douanière et de visa avec la Turquie, compte tenu
de la poursuite des violations des droits fondamentaux dans ce pays. Je pense à un entretien avec le chef de la diplomatie du Luxembourg qui dit exactement la même chose. Je pense aux réactions très violentes qui ont été exprimées en Italie. Est-ce que tout cela va être pris en compte dans le rapport que M. Borrell doit présenter aux États membres en juin? Et est-ce que tout cela ne dessine pas une conclusion assez négative? Merci. Peter. Merci Christian, bonjour. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qu'on prend pour formuler, pour préparer le rapport. Donc, tous les éléments que vous avez mentionnés, nous allons réfléchir dans le rapport. Et comme sur l'aspect, sur la part de votre question sur le Parlement européen, vous savez que nous avons l'échange avec les membres du Parlement européen régulièrement. Nous avons la participation des représentants dans le débat du Parlement européen. Donc, c'est une partie des processus qui est en cours et bien sûr, tous les éléments qui sont importants et ont relevance pour les relations entre l'Union européenne et la Turquie ou entre la Turquie et les pays membres de l'Union européenne sont réfléchis ou seront réfléchis dans ces rapports. Merci. Je ne vois pas d'autres questions sur la Turquie. Je passe donc la parole à Thomas, qui a une question sur l'agenda de la présidente, mais je pense que c'est une question de relations extérieures. Thomas. C'est à vous de décider. En fait, je sais que le EAS ne s'occupe pas de ce dossier, mais directement la présidente. C'est sur la rencontre avec le président suisse vendredi. D'abord, j'aimerais savoir, il semblerait que vous attendez depuis un mois des réponses suisses à des papiers que vous-même vous avez présentés pour essayer de régler les points ouverts et que les Suisses n'ont jamais fait des propositions écrites. Je voudrais savoir si tu peux nous confirmer ça depuis le podium et qu'il y a une certaine, je ne sais pas si utiliser le mot frustration, disons, par rapport à comment le dossier se déroule. Et donc, voilà quelles sont les attentes que vous avez pour la rencontre de vendredi. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Les éléments que tu as portés là dans ta question proviennent de supposées fuites, de discussions qui ont lieu. Et donc, comme tu le sais, nous ne commentons jamais les fuites. Et donc, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Ce qui est clair, c'est que depuis la fin de 2018, nous avons exprimé notre engagement et notre disponibilité pour analyser les clarifications sur les trois points que le Conseil fédéral avait évoqués, avait soulevés. Et nous avons été et nous restons disposés à analyser ces demandes de clarification de manière tout à fait constructive dès lors qu'il est clair que ces clarifications restent proportionnées et servent à garantir l'objectif principal de l'accord institutionnel avec la Suisse que nous poursuivons, qui est l'homogénéité du cadre juridique en ce qui concerne la participation de la Suisse au marché unique de l'Union européenne. Donc c'est une question... C'est une question de level playing field, comme on dit en anglais. Et donc, c'est, comme tu sais, il y a eu un certain nombre de réunions, de vidéoconférences ces derniers mois sur ces différentes clarifications. Et maintenant, il va y avoir une rencontre la semaine prochaine au niveau politique entre la présidente de la Commission et le président du Conseil fédéral sur ces points, et c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet pour le moment. Stéphane. Oui, merci. J'ai un follow-up pour cette question. Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a encore eu un échange au niveau technique hier entre Mme Loy et Mme Rizzo? Et plus précisément pour la rencontre la semaine prochaine, quelles sont vos attentes en fait? Qu'est-ce que vous attendez?
de la visite. Merci. Merci beaucoup. Écoute, je peux évidemment confirmer qu'il y a des contacts pour maintenant préparer cette réunion. Ça me semble absolument naturel qu'une réunion entre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil fédéral nécessite des contacts préparatoires. En ce qui concerne nos attentes de cette réunion, nous espérons que cela va pouvoir insuffler la dynamique vers la finalisation, la signature et la ratification de l'accord, comme nous appelons les autorités suisses à le faire depuis maintenant un certain temps, et comme cela avait déjà été répété par la présidente de la Commission européenne à son homologue de l'époque, Madame Somaruga, lors de leur rencontre en janvier de l'année passée, en marge de Davos, comme je suis sûr tu t'en souviendras bien. Stéphane, follow-up. Oui, je suis sûr que vous suivez le débat en Suisse très intensément, mais vous avez peut-être aperçu que plusieurs gens ont déclaré, politiciens ont déclaré l'accord cadre plus ou moins mort. D'où venait, prenez-vous votre optimisme, disons, que tu as formulé tout à l'heure? Merci beaucoup. Merci. Écoute, ce n'est certainement pas à nous de prendre position sur un débat qui a lieu en Suisse sur l'état de l'accord institutionnel entre l'Union européenne et la Suisse. Pour notre part, nous avons toujours dit qu'il était important pour nous que cet accord puisse être finalisé, signé et ratifié. Nous savons très bien que les derniers mètres sont souvent les plus difficiles à parcourir avant de pouvoir finaliser un accord de ce type. Et donc, nous restons fermement engagés dans ce processus. Nous sommes bien entendu disposés à discuter avec les autorités suisses, à faire, si nécessaire, des compromis dès lors qu'ils sont équilibrés et qu'ils ne remettent pas en cause l'objectif central de cet accord que j'ai répété précédemment. Donc, ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Nous sommes persuadés, nous restons persuadés que cet accord est dans l'intérêt des deux parties. Il est crucial pour le développement de la relation entre l'Union européenne et la Suisse. Et de fait, c'est un prérequis pour la continuation du développement de ces relations. Stéphane, tu as encore une question de follow-up? Oui, je m'excuse. Juste une petite question technique. Est-ce qu'il y aura d'autres participants du côté UE, par exemple le commissaire Hahn? Et est-ce que vous avez prévu une communication par la suite? Merci. Merci. Écoute, la réunion est entre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil fédéral. La composition des délégations est quelque chose sur lequel nous n'avons pas l'intention de communiquer à ce stade. En ce qui concerne une communication autour de cet événement, il faudra que nous voyons cela plus tard, lorsque les détails de la réunion seront clarifiés entre les différentes parties. Raymond. Oui, merci, tu m'entends? Je t'entends, vas-y. Voilà. Ok. Le fait que le président suisse fait partie de la partie UDC, qui est quand même le parti qui est le plus opposé à cet accord cadre, est-ce que tu penses que ça pourrait augmenter les chances pour débloquer ces discussions, que le fait que c'est lui maintenant qui va venir à Bruxelles, ou c'est plutôt l'inverse? Et deuxièmement, si jamais les discussions vont se terminer, et qui va être responsable pour l'échec? Ça va être la Suisse, ou tu penses peut-être l'Union européenne doit aussi porter un peu de responsabilité pour l'échec des discussions? Merci. Merci pour ces questions, Raymond. Écoute, il ne me revient absolument pas de rentrer dans des considérations de politique suisse, d'appartenance à différentes partis, etc. La présidente ne rencontre pas un membre de parti, elle rencontre le président
du Conseil fédéral suisse. Et c'est donc une discussion entre l'Union européenne et un État tiers et son représentant officiel. Et elle parle aux représentants de la Suisse qui sont en poste à chaque moment. C'est comme, c'est comme cela qu'elle a rencontré la présidente Somaruga l'année dernière en janvier. Comme tu le sais très bien, nous ne répondons absolument pas à des questions hypothétiques. Et de fait, nous nous plaçons dans l'optique qui nous semble celle qui amènera les meilleurs résultats pour les deux parties. Nous nous plaçons donc dans l'optique d'une finalisation de cet accord, tant du point de vue du fond que du point de vue de sa ratification. Voilà, je ne vois pas d'autres questions sur ce point, et donc j'ouvre la discussion à d'autres points relations extérieures, puisque nous étions sur ce sujet, et je passe la parole à Kadi. You hear me? Yes, go ahead. Foreign affairs. It's not about affair transgenders, but about vaccines. No, then if you don't mind, we will come back to you afterwards because we're on foreign affairs for the moment. So, Philippe. Oui, bonjour. J'ai une question concernant, disons, l'Ukraine. Je voudrais savoir s'il y a une réaction à l'annonce par la Russie de limiter pendant plusieurs mois la liberté ou la navigation tout court autour de la Crimée. Est-ce que c'est un épiphénomène ou bien est-ce que l'on y voit une espèce de tentative de blocus de l'Ukraine ? Merci. Et puis j'aurai une question sur le Brexit, mais ce n'est pas tout à fait la même zone. Merci. Merci beaucoup. Peter. Merci Philippe pour sa question. Premièrement, en général, je veux dire le suivant. L'Union européenne est très claire et très ferme dans notre soutien à l'Ukraine, à l'intégrité territoriale et souveraineté de l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine dans cette sens. Sur les annonces russes plus récentes, je dirais que nous prenons la note, nous analysons cette et nous allons discuter, le ministre des Affaires étrangères avec le haut représentant Borrell, avoir la discussion lundi prochain dans le Conseil des Affaires étrangères sur tous les aspects de cet événement. Donc, on peut attendre un peu plus et voir les résultats de cette discussion et avoir une position ferme et claire de la partie de l'Union européenne, de toute la Union européenne. Merci. Je ne vois qu'une seule autre main levée pour l'instant sur les affaires étrangères. Nous reviendrons sur les sujets Brexit plus tard. Donc, je passe la parole à Salam. It's about Iran. Iran has already started enriching uranium by 60% today. All the statements after yesterday's meeting, by example, that say that the results of Vienna talks of yesterday, it was positive. What is the position of the EU today after this procedure that started by Iran? And why do you think that Iran continue to take escalating steps despite all the facts that, despite these talks, are aimed to returning Iran to abide by the agreement? This is my question. Two questions, actually. Thank you. Question for Peter Yan. Thank you, Salam. On the issue of uranium enrichment, I can only repeat what I said yesterday, that this is a very worrisome development. And there is no credible explanation or civilian justification for such an action on the side of Iran. But this is exactly why we are involved and engaged so much in the talks and in the process, which is ongoing now in Vienna, to make sure that we go back from such steps that bring Iran further away from delivery on its commitments and obligations stemming from the nuclear deal, and that we find a way how to bring everyone back to the full compliance with the JCPOA. That includes full
respect and full implementation of the JCPOA by all participants, and also the lifting of US sanctions. We are still in the process. The process is ongoing, and this process is focused on all the possible diplomatic efforts to find a possible solution that we don't have to deal with such actions and decisions as we are discussing now. But the work is still ongoing on this. Thank you. You have a follow-up, Salam. Actually, it's not a follow-up. It's about Russia and the sanctions which were imposed yesterday. So I'll give... Thank you. Then if you don't mind, Salam, we'll come back to you later on that. Christian, tu as une question sur l'Iran, JCPOA? Oui, Peter, je voudrais savoir si vous considérez que les décisions de l'Iran sont encore réversibles ou si ils sont engagés dans un processus irréversible, ce qui pose un problème. Merci. Merci. Oui, nous pensons que toutes les décisions sont réversibles parce que c'est un objectif, c'est le but de la négociation. Avoir l'accord nucléaire qui est respecté dans 100%, qui est respecté totalement et qui est mis en ouvre complètement. Donc, toutes les actions et toutes les décisions, si on a des accords finalement dans cette négociation, toutes les actions, toutes les décisions comme ça doivent être réversibles. Merci beaucoup. Alors, Salam, we come back to your question on Russia. Last few months, we saw that when the EU imposed sanctions on the individual, by example, in Myanmar or in China, the same step were taken by the UK and the US. Yesterday, the US administration imposed sanctions on Russian individual and entities. My question is, are we gonna see same sanctions from the EU imposed on a Russian individual, or I don't know what is the position of the EU now? Thank you. Peter. Thank you, Salam. Let me explain a little bit in general more about the sanction and the logic of sanctions. We said many times that they are not a policy, they are just a means, they are just one of the instruments to express how we stand for our values or how we react to breaches in international law. And the EU sanctions, when they are imposed, usually there is a number of countries who are aligning with these sanctions or partner countries which are introducing very similar or the same sanctions. So, and always it's better in terms of impact when the international community works together in responding to breaches of international law or to things that are not supposed to be happening, such as Russia's actions against Ukraine. So there is, of course, always a certain degree of alignment by certain countries and decisions by other countries to impose similar or same sanctions. Now, when it comes to forthcoming sanctions, you know that we have already several sanctions regimes in place against Russia for various violations, be it cyber sanctions, chemical weapon sanctions, breaches of Ukrainian sovereignty sanctions, etc. But we never discussed the process of preparing further sanctions. All these sanctions regimes are constantly under review. So there is always a possibility to extend them or to reduce them. And this is very important also to reduce them if the malicious behavior is finished and if there is no more reason for those sanctions. So this is the nature of the regular review. And if we decide to proceed with the new listings or new sanctions regimes, we never comment on this publicly. This is supposed to be a discrete process for member states to agree on. And once there is a unity and agreement of the member states on the sanctions regime and on all those who need to be included in the sanction regime, then we adopt it, agree on it, and inform about it. Thank you very much. Now let us move to another sphere of foreign affairs, Brexit, or relations with the United Kingdom, more precisely. Philippe, tu as la parole. Oui, merci. À l'issue de la rencontre hier entre le commissaire Sefcovic et David Frost, il semble que le ton n'est pas exagérément optimiste, pour dire un understatement. Et donc, je voulais demander si, puisqu'on évoque la poursuite de ces discussions pendant plusieurs semaines, est-ce que l'on s'oriente vers la demande d'une nouvelle extension du processus de ratification de l'accord du traité par le Parlement européen ? Merci. Merci. Dan.
Bonjour Philippe et merci pour ta question. Je pense que tu parles de deux choses qui sont en cours en parallèle. D'abord, première chose, l'accord de retrait et la mise en place du protocole de l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'était ça le sujet des discussions et de la réunion hier avec David Frost. Donc là, comme tu as dit toi-même, nous allons continuer au niveau technique. Nous allons intensifier les discussions avec le Royaume-Uni pour être sûr que le protocole soit mis en place correctement dans les semaines qui viennent. Deuxième chose, l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. C'est ça l'accord qui est au centre de la question au Parlement européen en ce moment. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce processus. Je pense que si tu veux parler ou d'avoir plus d'informations sur ce processus, il faut parler avec le Parlement européen lui-même. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que le vice-président Shefcovic a tweeté hier en félicitant que une commission au Parlement européen a donné le feu vert à l'accord. Mais elle a dit aussi qu'il est positif, il est avantageux pour les citoyens et pour les entreprises, et que cet accord établit un level playing field, donc un équilibre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et un système de gouvernance efficace. Mais à part de ça, je n'aurai pas de commentaires à faire en ce moment. Merci. Philippe, tu as une question de suivi. Pour simplement être clair, donc hier, il n'a pas été question d'engager une discussion avec la partie britannique pour se préparer à une éventuelle extension du délai. Dan. Non. Ce n'est pas le rôle d'ailleurs de ce Joint Committee. Ce n'est absolument pas dans son mandat. James. Thank you, Eric. Hello, Dan. I noticed in the statement that was put out this morning, a great focus was put on Mr. Šefčovič, stressing effectively that any further unilateral action would be unacceptable. Did the British side give any reassurances or commitments that they wouldn't be making further unilateral action similar to the offending one in the future? Thank you. Hi, James. I don't think it's for me to speak on behalf of the UK. You have what's in the statement, and you also have what's in the UK statement. What matters to us is that everything to do with the protocol is dealt with in the joint bodies, that we agree on joint solutions together. And, you know, that's really the only way that we're ever going to find solutions here and to bring about the stability and the predictability that people in Northern Ireland really need. Naomi. Hi, thanks very much for taking my question. So we've heard from a Northern Ireland official that permanent facilities for post-Brexit checks in ports in Northern Ireland won't be operating before 2023, and that this is linked to uncertainty over what will happen when grace periods ends and how many checks will be needed. I was just wondering if you could comment on that, say whether it's in line with the timetable that you have from the UK, and whether it's acceptable in terms of implementation, in your view. Thank you. Dan. Thanks, Naomi. No, I wouldn't have any specific comment to make on the comments that you raised. I would just recall again that, of course, the construction of permanent border control posts is essential. It's an important part of the protocol in Ireland and Northern Ireland. This is certainly something that we are raising with the UK in our various different exchanges at technical level, at political level. And I would just reiterate the sentence that was in the statement that we published this morning, that we are working towards full compliance of the protocol. And part of that is to make sure that we have a very, very clear roadmap from the UK that sets out very clear endpoints, very clear milestones. And that, of course, includes border control posts. But no specific comment to make on the comment. Thank you. I see no further question on this issue, so we are going to close the issue of foreign affairs. And I go back to Kadi, who had her question on vaccines and green certificates, if I understand well. Kadi.
Okay, it seems that we have lost Caddy, so I go to David. David, you had a question. Yes, thank you, Eric. In a few days, and on the 18th of April, we've got the 70th anniversary of the foundational treaty of the European Community and the European Union. And next month, we've got the conference on the future of Europe. I'd like to ask about the letter I wrote to President von der Leyen about publishing the foundational documents on European democracy. This includes the full text of the Schuman Declaration, which is not being published on the website, and also what Schuman called the Charter of the Community, which is the document which gives the democratic principles of the future of Europe. Will these two documents, major documents on European democracy, be published before the conference next month? Thank you, David. It's good to see that you take such an interest in these historical documents. All of us here are a bit of history buffs, and therefore we definitely share your interest. I would have to say, however, that if you have not yet received a reply from the president, you will have to understand that it's not my job to give a reply here in the press room on her behalf. If you write a letter to the president, you have to wait until you get an answer from her. So, David, you have a follow-up. Yes, thank you. I was just wondering, seeing that the 18th of April is really the foundational act of why we are all here and why you're getting a salary and why I'm talking to you, I'm wondering if it's going to be marked in any way. It's on the 18th is a Sunday, but this is the major event in European history, and I don't see any announcement about it being celebrated. Am I correct or not? That's a different question from what you were raising before. I cannot answer that question here on the podium. I have no specific information on this, David. Thank you. Now, I see that Caddy has connected once again, so we will move to your question, Caddy, which, if I understand well, concerns green certificates. Go ahead. Yeah. Can you hear me? We can hear you. Which media do you work for, Caddy? Okay. Which media do you work for, out of interest? I'm Caddy Sumaro for Total EU Production. Okay. Go ahead. Italian newspaper. In this week, we have seen several discussions about vaccine, especially with regard to the green certificate in the last few days. It has been said that instrument will be active from the first weeks of summer. Will member states be able to organize themselves in time? Because we know that Europe has had imbalances regarding export of doses, like cases of AstraZeneca, and in last days with vaccine of Johnson & Johnson in the USA. Thank you. Thank you. This is a question for Christian. And Johannes, actually. Both. Thank you, Caddy, for your question. Well, on your question whether the digital green certificate is on track for the summer, I think the short answer is yes. Let me again say that we welcome we welcome the Council's adoption of the mandate to start negotiations with the Parliament on the proposal, which happened 2 days ago. As President von der Leyen said, this agreement brings us closer to a goal of having the certificate in place by June to enable Europeans to travel safely by summer. We welcome also that the Parliament is also moving swiftly on this file and has decided for an urgent procedure. The Parliament's Libe Committee held a constructive debate on the 13th of April with Commissioner Reinders
and the European Data Protection Board, during which MEPs exchanged views and asked a number of important questions. Once the Parliament adopts its mandate, the negotiations between the two institutions can start. The technical preparations at EU level are also well on track. Our common and realistic aim is and remains, therefore, to have the digital green certificate rolled out by June, both from the legal and technical side. And let me maybe also add a small point on your question in relation to the availability of vaccines, which is, of course, for Stefan, but in relation to the certificate, it's important to note that this is not only covering vaccines, but it's very important for us that it is non-discriminatory, so available for everyone. So this is why it also covers if somebody has recovered from the disease, or it can also be achieved by doing a test, which is clearly available for everybody. Thank you. Exactly, that's a really, really important detail that Christian is mentioning there. Okay, are there other questions for us on the digital green certificate? I see that Naomi has another question, but for Christian as well, if I understand well. So Naomi, you have the floor. Yeah, my question is about freedom of movement and Ireland. I was just wondering if the Commission has sent a formal letter to Ireland about the criteria for choosing EU countries to put on its red list for mandatory hotel quarantine purposes. Thanks very much. Christian. Thank you, Naomi. Ireland requires travelers coming from a designated country, irrespective of the nationality, to undergo a mandatory hotel quarantine. This includes, at the moment, 5 EU member states. The Commission has concerns regarding this measure in relation to the general principles of EU law, in particular proportionality and non-discrimination. We have been in contact with the Irish authorities during the past days on this matter. Today, the Commission sent a letter to the Irish authorities asking for clarifications on this matter and on the criteria used to determine the designated countries. The Commission believes that the objective pursued by Ireland, which is the protection of public health during the pandemic, could be achieved by less restrictive measures. In line with the Council recommendation, also clear and operational exemptions for essential travel should be ensured. We invite the Irish authorities to align more closely their measures taken with the provisions of the Council recommendation that Member States have agreed upon together in October and updated earlier this year. The Irish authorities have 10 days to reply to this letter of the Commission. Thank you, Christian. So this closes this chapter. Are there other questions for us today? David. Oui, merci Eric. David Carrette, Radio Radicale. J'ai une question à propos... Excuse-moi, j'allume la caméra. J'ai une question à propos de la vaccination auprès de la Commission. On a vu hier le tweet de la présidente qui a été vaccinée avec Pfizer-BioNTech. On a vu aussi le tweet qui a fait Dana en disant que c'est le vaccin que les autorités belges ont fourni à la Commission. Je voulais savoir si les services médicaux de la Commission vaccinent juste avec BioNTech Pfizer, c'est-à-dire si vous avez reçu juste ça des autorités belges, ou c'est tous les vaccins du portfolio européen. Merci. Merci beaucoup. Enfin, tous les vaccins du portfolio européen, c'est pas possible, vu qu'il y en a qui ne sont pas encore approuvés par l'Agence européenne du médicament, mais j'imagine que ta question porte justement sur ce sous-ensemble de vaccins approuvés. Balash. Bonjour,
Donc, effectivement, je vais essayer de vous donner une réponse courte à cette question. Donc, vous avez raison en disant que la campagne de vaccination de la Commission reçoivent des vaccins des autorités belges. Donc, on n'a pas la chance de choisir, on n'a pas le choix, on prend ce que les autorités belges nous allouent. Donc, à cet égard, à ma connaissance, jusqu'ici, on n'a reçu que des vaccins Pfizer, effectivement. BioNTech-Pfizer. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour nous sur ce sujet? Je n'en vois pas. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Tommaso. Oui, bonjour. Tommaso Galavotti de l'agence de presse ADN. C'est seulement une curiosité, si je peux, c'est sur les vaccins de Novavax, et parce que vous avez conclu les pourparlers avec la compagnie en décembre, mais il n'y a pas encore un contrat. Je me demande si vous pouvez nous donner un update sur les négociations avec cette compagnie. Merci. Merci. Stéphane. Merci beaucoup, Tommaso. Mon update, c'est que vous allez recevoir un update lorsque nous aurons plus d'informations à partager avec vous. Comme vous le savez, lorsque nous avons finalisé les discussions exploratoires, on vous informe. La même chose aura lieu lorsque nous aurons conclu un contrat. Les négociations sont en cours, mais on ne va certainement pas hésiter à vous tenir informé lorsque le jour où un contrat aurait été conclu. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Stéphane sur la question des vaccins? Julia, you have a question on vaccines. No, it seems to be on something else. Okay, we'll come back to you later, Julia. Laura. Laura, you don't have a mic. Or wrong mic source. Go ahead. Okay. I was wondering, since the EMA has started the exploratory analysis of Sputnik V, if there is any exploratory analysis for Sinovac, since the Brazilian authorities had used Sinovac for their campaign. Thank you. Thank you. Well, I would say that this is a question you need to address first and foremost to the European Medicines Agency, not to the European Commission. But let me see if Stefan has some element of information on this. Thank you very much. No information from my side. As you said, Eric, contacts between companies and EMA are, of course, questions that I would invite you to raise with EMA. Thank you. Thank you. Julia, we try to come back to you. It seems you do have a mic now, so go ahead. Okay. Julia Torbidoni, Agenzia Nova, Italian news agency. My question is about Alitalia and the financial support to Alitalia for COVID. According to my source, the figures seem divergent from Alitalia and Air France, and it seems 9 euros for a passenger seat of Alitalia and 88 euros for passenger seat for Air France. I would like to ask if is it true, and if yes, why? Thanks. Thank you very much. A question for Ariana. Hello, I hope you can see me and hear me. It's been a while, so I might have forgotten how it works. So
I'm afraid I cannot enter in the details of what you are asking. You know, we are in contact with the Italian authorities on the matter of Alitalia in general. What I can say perhaps is more generally on the comparison between Air France and Alitalia that you were making. Let me just remind you that the main purpose of the temporary framework is to provide targeted support to otherwise viable companies that have entered into financial difficulty as a result of the coronavirus outbreak. Therefore, companies that were already in difficulty on 31st December 2019 are not eligible for aid under the temporary framework, including recapitalization measures. Alitalia, as you know, has been persistently loss-making and was a company in difficulty already at the end of 2019, therefore before the COVID-19 outbreak, and is thus excluded from the possibility of receiving aid on the basis of the temporary framework. At the same time, let me just remind you that the Commission has approved Italian measures to compensate Alitalia worth a total of 297.15 million euro based on Article 107.2b of the Treaty on the Functioning of the European Union, which allows for damages, for compensation of damages that are directly linked to the consequences of the coronavirus pandemic. The Commission, for example, has applied the same assessment to other airlines in the same situation, such as the French Corsair and the Portuguese TAP. Going back to Air France, by contrast, it was not a company in difficulty at the end of 2019, and this is why it could be recapitalized in line with the conditions under the temporary framework. Now, that was a very comprehensive and extensive answer. Thank you very much, Ariana. You have not lost a habit, I can see. That's good. Are there other questions on competition issues for Ariana today? Nicolas, tu as une question de concurrence. Ah. Politique étrangère, Nicolas, on a clos ce chapitre il y a longtemps. Laisse-moi donc voir auparavant s'il y a d'autres questions sur d'autres sujets pour nous aujourd'hui. Marco, you had raised your hand on something else, so you have priority. Go ahead. Oui, bon, d'abord, désolé, j'ai un problème avec la caméra qui parfois n'est pas reconnue par interaction. Non, ma question, c'était sur un autre sujet que vous avez déjà abordé, c'était le vaccin. Donc, si mon collègue veut avoir la priorité... Étant donné que nous avons maintenant affaire à des retardataires, je vais revenir donc sur Nicolas qui avait levé sa main en premier. Nicolas, vas-y avec ta question de politique étrangère. Oui, désolé d'être en retard au rendez-vous. J'essaierai d'être à l'heure la prochaine fois. J'étais sur autre chose. Je voulais savoir sur l'Ukraine, si vous permettiez, à part la demande d'adhésion formalisée par le président Zelensky à l'Union européenne, est-ce qu'on est toujours sur un modus vivendi qui est un peu une mise en attente de l'Ukraine sur toutes ses demandes en attendant qu'elle ait fait ses réformes? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de savoir si au titre de la future facilité européenne de paix, qui me permet de fournir différents équipements en termes militaires, il était envisagé ou si certaines demandes avaient déjà été examinées dans ce cadre futur qui démarre dans quelques semaines. Je vous remercie beaucoup. Alors, je pense que ta première question serait normalement pour Anna et donc pour Nabila. Mais n'hésitez pas à me corriger, Nabila, Peter, si vous souhaitez que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. Nabila. En effet, je couvre pour Anna, mais j'ai bien peur, Nicolas, que je dois revenir vers toi pour répondre à ta question là-dessus. Merci. Et sur la deuxième, plutôt Peter, non ? Et sur le European Peace Facility, j'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'il s'agit de European Peace Facility par rapport à l'Ukraine ? Nicolas, est-ce que tu peux préciser ? Oui, c'était sur le European Peace Facility, effectivement.
et pour l'Ukraine, donc savoir s'il y avait, parce que je sais qu'il y a déjà des dossiers qui sont engagés sur d'autres zones géographiques, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des possibilités d'engagement de dossiers sur l'Ukraine. Et si je peux me permettre, si tu peux nous donner quand sera la date d'application de l'Open Peace Facility, puisqu'on a entendu de démarrage, je dirais, effectif, opérationnel, on avait entendu 1er juillet, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre des possibles? Merci beaucoup. Donc effectivement, ça serait pour toi, Nabila, je pense. Oui. Pour le European Peace Facility, pour l'instant, comme tu sais, toutes les options sont discutées et sont possibles. Mais comme tout est encore en discussion, donc je ne vais pas aller plus loin que ça par rapport au European Peace Facility. Merci. Merci. Alors, nous revenons donc vers toi, Marco, pour ta question sur les vaccins. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, j'ai vu que l'Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé a diffusé une note ce matin en disant que l'Agence européenne des médicaments est en train d'enquêter sur un deuxième effet secondaire potentiel du vaccin d'AstraZeneca, et c'est une infection très rare caractérisée par une fuite de fuite capillaire. Bon, je sais pas à niveau technique de qu'est-ce qu'il s'agit, mais est-ce que vous êtes au courant de cette analyse de l'EMA, ce possible deuxième effet secondaire? Merci. Merci. Je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Je ne suis pas au courant de la note à laquelle tu réfères, mais je pense qu'il est mieux que tu prennes contact avec nos collègues de l'EMA. C'est en effet l'EMA qui est en train de vérifier les effets des différents vaccins, donc, dont l'AstraZeneca. C'est eux qui font les opinions scientifiques suivant leur évaluation qui va vraiment dans les détails. Donc, je pense qu'il vaut mieux vérifier pour ces questions scientifiques et médicales auprès de l'EMA. Merci. Merci Stéphane. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Je n'en vois pas et donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et nous nous retrouverons lundi. Merci.